Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Nous allons poursuivre ce soir avec M. Kamel Bouchama, auteur du livre « L'Emir Abdelkader et les siens, l'ultime étape au Levant de parler et d'évoquer l'histoire de l'Emir Abdelkader ». La dernière fois, nous avons évoqué dans une première partie l'Emir Abdelkader en tant que chef charismatique de la résistance algérienne contre la colonisation. Aujourd'hui, nous allons notamment revenir sur cette histoire méconnue, cette histoire peu connue, voire méconnue de l'Emir Abdelkader à Damas. J'ai le plaisir de recevoir une seconde fois M. Kamel Bouchama. M. Kamel Bouchama, bonsoir. Bonsoir. Donc, nous avons, la dernière fois, laissé l'Emir Abdelkader au château d'Amboise, en France, en tant que captif. Captif. Et puis, en octobre 1852, il va recevoir une visite d'un personnage particulier. Qu'en est-il exactement ? Oui. Alors, d'abord, permettez-moi de vous remercier pour cette invitation qui va me permettre de parler de ce grand homme, de l'émir Abdelkader. Mais avant de sortir d'Amboise, nous sommes toujours en prison maintenant. Hein, je suis toujours captif, l'émir Abdelkader est toujours captif. Avant de sortir d'Amboise, permettez-moi de vous dire que cette deuxième partie de notre émission, et vous l'avez très bien signalé au début, beaucoup de gens ne connaissent pas la seconde vie de l'émir. Et c'est de cette seconde vie qu'il est question ce soir dans cette émission. Elle est un peu longue, mais je vais essayer de faire l'économie de certaines parties de mon intervention, parce que si je me permettrais, dans la diatribe, dans la loquacité, peut-être que pour un sujet seulement, il me faudrait une heure. Et donc, on va essayer de schématiser un peu les choses, et d'en parler, de laisser le temps à ceux qui nous écoutent d'aller prendre le livre et puis de lire, parce que il y a tout dans le livre. Nous sommes à Amboise. Ce personnage, il n'est que Napoléon III, dit Badingue, qui vient lui annoncer sa libération. Voilà. Donc il est libéré en octobre 1852, avec tout le respect qui est dû à un souverain, parce que j'avais dit la dernière fois, même quand il était à Amboise, même s'il n'était pas dans les grandes loges d'Amboise, il était dans les dépendances, ceci dit, il avait toujours son charisme, il avait toujours son respect, il avait toujours sa dignité. Et donc, Napoléon, connaissant tout cela, il lui a annoncé avec beaucoup de pompe, qu'il était libéré. Donc, Emir Abdelkader est libre. Lui, sa famille, son entourage. Mais avant de quitter directement et d'aller en Turquie, à Brousse, il décide de faire des visites très intéressantes. Alors, il va y avoir justement cette visite parisienne qui est très très importante à tous les égards. Il va y avoir trois moments importants. Les Invalides, l'imprimerie impériale oui. Et Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, oui. Enfin, il a visité aussi les Tuileries. Il a visité énormément de grands monuments de Paris, bien sûr. Parce que là, l'Emir Abdelkader, il faut le connaître en tant qu'intellectuel, en tant qu'érudit, en tant qu'homme de science et de culture. Alors donc, il ne pouvait pas quitter comme ça un pays où il a séjourné pendant presque 5 ans. Ouais. 5 ans. Le quitter comme ça et puis aller directement à Brousse, aller directement en Turquie. Il se disait, tant que je suis là, il serait préférable que je connaisse les belles choses qui ont été faites dans ce grand pays. Et lui aussi, il avait du respect pour la France, en tant qu'intellectuel, en tant qu'homme de science, en tant qu'homme de réflexion. Pardon. Donc, il visite les Tuileries,
Il visite le Louvre aussi. Oui. Il visite l'imprimerie impériale. Il visite la grande fabrique de l'artillerie. Et là, bien sûr, d'une façon très perspicace, d'une façon très subtile. Alors il dit à ceux qui l'accompagnaient, le matin, vous m'avez fait visiter les canons de l'artillerie, c'est-à-dire les objets de la guerre. Maintenant, là où je suis en train, vous êtes en train de montrer les canons de la science. Les canons de la science. C'est dire que il ne pouvait pas quitter sans dire son mot, sans laisser quelque chose au savoir, oui, et à la, absolument, à la science, sans laisser quelque chose qui le laisserait pérenne. Et donc, en tant qu'homme de science, il a parlé de la science. Oui. Il a été émerveillé par l'imprimerie impériale. Oui, oui, oui. Il a visité également le Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, bien sûr, c'est un très beau monument. Très, très beau monument. Personne ne peut nier. Mais à un certain moment, il avait senti que c'était l'heure de la prière. L'heure du Asr, Ouqt al-Asr. Il prend sa montre à gousset, il la regarde, il voit que c'était le temps. Il tire sa cape, il enlève sa cape, il la met dans un couloir, et il commence à faire sa prière. Il a fait la prière du Asr. Ne voyez-vous pas ce majordome qui était avec lui, c'est-à-dire un général, c'est pas n'importe qui. Quand il a terminé, il lui dit, « Sire, c'est une église. » Et l'émir qui se retourne, qui le regarde comme ça, il lui dit, mais c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Alors, voyez-vous cette tolérance que véhiculait l'émir Abdelkader. Donc, il est resté un bout de temps en France. Après Paris, c'est Marseille. Oui, après Paris, oui, bien sûr. Il était obligé pour prendre le bateau. Parce qu'il est venu par un bateau à vapeur qu'on appelait l'Asmodée. Oui. Il est reparti dans un autre bateau à vapeur qui s'appelle le Labrador. Il va... L'émir sera accompagné, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Non, l'émir est accompagné. C'est la même délégation qui l'accompagnait pendant son séjour en France, et sa captivité, bien sûr. Ils étaient partis au nombre de 88. Là, ils sont repartis dans les environs de 90. Bon, il y a ceux qui sont nés là-bas. Il y a plusieurs chiffres qui sont avancés. Oui, il y a d'autres qui sont morts. De 82. Oui, ouais. Il y a d'autres qui sont... Ça, c'est des historiens. Ouais. Ils doivent définir tout ça, parce qu'il doit y avoir des archives. Exactement. Et les archives existent dans ce cadre-là. Moi, ce que j'ai consulté, on parle de 88, on parle de 90. Il arrive par la suite à Damas, il était à 102. Bon, c'est dire qu'entre-temps, il y a eu des naissances, hein, c'est ça. Comme il y a eu des morts à Amboise. D'où le fameux cimetière de Rachid Qureshi. Oui. Rachid Qureshi qui l'a refait. Moi, je connais un bout concernant ce cimetière. Oui. Je connais un bout parce que Rachid Qureshi, qui est un battant et un grand artiste, il a tout fait, il s'est accroché à ce projet et il me disait, il est venu souvent chez moi à Damas, pardon, et il me disait, il faut que je termine ce projet. Et alors là, moi j'ai vu avec les autorités syriennes, que je remercie d'ailleurs, on nous a donné la pierre de Alep, et c'est la pierre de Alep qui a servi pour faire les sépultures, pour faire les tombes. Et Rachid Qureshi, avec son art, avec sa perspicacité, il a été choisir ces morceaux de soufi, ces belles poésies soufies et ces versets du Coran, avec lesquels il a orné les tombes. D'ailleurs, c'est une merveille pour ceux qui partent à Amboise, ils visitent certainement. Donc, c'est devenu un lieu de mémoire. Oui, un lieu de mémoire, bien sûr, un lieu de mémoire. Alors, il arrive à Damas. Non, Damas. Avant Damas. Non, avant Damas, il prend le Labrador, oui. il est à Brousse. Oui.
Le bateau accoste au port Gemlek, oui. On l'appelait ainsi, de Brousse. Il est accueilli d'une façon inimaginable. Impérial. Impérial. Impérial déjà, oui. À Brousse. À Brousse. À Brousse. Il y avait le Khedioui qui était là-bas, avec des chars où il vit traîné par plusieurs chevaux, la garde impériale, des Ottomans. Et il arrive donc à Brousse, il est mis dans un château. Donc il passe presque 3 années. Trois années à Brousse. Il ne quitte Brousse qu'après un fâcheux tremblement de terre. Toute la ville, pratiquement, a été endommagée. Il la quitte non pas parce qu'il y avait le tremblement de terre, parce qu'il devait la quitter. Il devait la quitter pour autre chose. L'émir, il faut le dire, il avait cette tendance à vouloir être libre constamment. Ayant subi certaines pratiques des Turcs, parce que le sultan Abdelhamid, c'était son ami, oui. Mais il y avait cette fameuse famille touranienne qui commençait à monter en degré. L'émir ne voulait pas cette mainmise, et c'est de là qu'il a quitté. Mais de toute façon, il devait absolument partir en Syrie. Damas, qu'il connaissait étant très jeune, quand il passait avec son père, une fois il est passé après avoir fait le pèlerinage à la Mecque. Et donc, il part à Damas. Il part à Damas, lui et sa suite. Alors, il arrive à Damas quand exactement? Ben, il arrive à Damas en décembre 55, 1855. 1855. En décembre 1855, il a eu également un accueil plus fort, plus grand, doublement important que celui de Brousse. C'était le même accueil, disaient les historiens, que celui de Salah Dil Ayyoubi, oui. Après sa victoire sur les croisés. Et donc, c'était un monde fou. Un monde fou qui ont accompagné. Justement, M. Bouchamo, comment vous expliquez cet accueil? Eh bien, cet accueil, tout simplement parce que l'émir Abdelkader était connu. Il était connu. On est au milieu du 19e siècle. Oui, non. Il était connu. Il était connu pour ses exploits, connu pour son charisme, vous l'avez dit tout à l'heure, connu pour sa science. Pour son érudition. Son humanisme. Connu, oui, pour son humanisme, qui va se développer encore davantage pendant qu'il est en Syrie. Et connu parce que il ne faut pas oublier qu'en Syrie, il y avait une forte communauté algérienne. La communauté algérienne. Et alors là, j'ouvre une parenthèse, parce que combien de fois, quand je parle de cela avec des amis, même des gens au cours des conférences que je fais, alors ils me disent, oui, mais enfin, ceux qui sont partis avec l'émir, quand je dis les Algériens qui sont en Bilechem, en Syrie, au pays du Levant, ils me disent, ce sont ceux qui sont partis avec l'émir. Non, l'émir est parti, nous l'avons dit maintenant, il est parti avec une centaine de personnes. C'était la suite. Oui. Ah, tout juste les plus près de sa famille et de ses les servantes, ceux qui l'aidaient dans sa vie courante. Et donc, il y avait une forte délégation, une forte communauté algérienne qui s'est constituée à partir du XIIe siècle, en 1187, quand Sidi Boumedien Chouaïb a pris cette délégation d'Algériens, de combattants algériens, qui allaient pour libérer la Palestine, libérer Jérusalem. Jérusalem, voilà. Jérusalem, des mains des croisés. Que s'est-il passé? Là, je peux me permettre de prendre 2 minutes seulement sur notre programme. Du temps de Abu Yusuf Yaqub, le sultan des Mouahidines, des Almohades, en Andalousie,
Il a été appelé par Saladin. Saladin était tout seul en train de combattre contre une coalition, une forte coalition de croisés. Les croisés, c'était qui pendant ce temps-là? C'était les Français, c'était les Italiens, c'était les Portugais, c'était les Espagnols, c'était les Chevaliers de Malte, c'était l'Allemagne, les Allemands, c'était les Autrichiens, c'était les Hongrois, c'était les Russes aussi. Alors donc, il y avait toute une coalition contre ces musulmans de Jérusalem. Alors, le Saladin donne un coup de clairon. Il a appelé à la rescousse. Il a appelé à la rescousse et à l'aide surtout. Alors, ils sont partis d'ici. Ils sont partis de la vallée de la Soubam, sous l'égide de Sidi Boumdine. Alors, ils partent, mais il y a eu des gens qui sont venus de l'ouest. Au fur et à mesure qu'ils marchaient, ça a fait boule de neige. Ils sont arrivés là-bas, ils ont guerroyé, ils ont vaincu les croisés, ils sont rentrés victorieux contre le roi Guy de Lusignan, le roi de Jérusalem, et voilà que Saladin, subjugué par cet exploit des Algériens, on les appelait les Maghrébins parce qu'il n'y avait pas de frontière pendant ce temps-là. Alors, subjugué par cet exploit des Algériens, Saladin nous donne le quartier ouest de Jérusalem, qu'on appelle aujourd'hui le quartier des Maghrébins. Maghrébins par opposition aux Mashariqa, ceux qui sont de l'Orient, des pays du Levant. Les Maghrébins, c'était les Maghrébins du centre, pratiquement. Oui, Maghrébin du centre, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai expliqué, parce qu'il y a trop de gens qui ont dit « Oui, mais enfin, pourquoi ?» Pourquoi tu insistes en disant que les Maghrébins sont les Algériens? J'ai dit oui, parce qu'ils ont été pris par Sidi Boumdine qui était à Béjaïa, voilà, tout simplement. Et Sidi Boumdine était à Béjaïa, il a pris des combattants qui étaient à côté de lui, qui étaient de la vallée de la Soumam. Tant et si bien que ceux-là qui sont restés là-bas, qui se sont mariés, qui se sont multipliés, qui se sont multipliés. La progéniture des siècles après parle toujours le véritable berbère. Le berbère expurgé des mots étrangers. Toujours, alors, le Maghreb central avait cette idée oui. d'Al-Quds sacré. Oui. Alors donc Saladin leur a donné le quartier ouest d'Al-Quds, de Jérusalem, et il a donné aussi une grande superficie de terrain, un peu à l'image de la Mitidja, qu'on appelle Aïn al-Karam. Et c'est à partir de là que les Algériens ou les Maghrébins ont commencé à construire des villes, des villages. Alors, Oulm, Mdouch, Mkrad al-Khit, Shajara, Safad, Samakh, l'Abidin, Ila. Bon. Ils ont construit 20 villes et villages. Et donc, ils sont restés là-bas. Ils ont commencé à travailler. Ils se sont installés. Ils sont intégrés dans la société syrienne. Voilà. Quand vous me posez la question, vous me dites que l'Emir Abdelkader était bien connu. Mais bien sûr qu'il était bien connu à travers ceux qui étaient là-bas déjà 7 siècles avant. Lui, il est rentré au 19e siècle. Mais eux étaient là-bas au 12e siècle. 12e siècle. Donc, 7 siècles les séparaient, et pendant ces 7 siècles, il y a eu du travail. Les Algériens se sont enracinés, tant et si bien qu'on ne connaissait pas, et on ne connaît pas jusqu'à maintenant, quel est le Syrien, quel est l'Algérien, quel est le Palestinien aussi. Alors maintenant, pour revenir à l'émir Abdelkader, il part en Syrie oui. pour s'y installer, n'est-ce pas? Oui, il s'y installe, bien sûr. Il s'installe en Syrie, de là commence un travail. Un travail très pertinent, un travail très grand, un travail très sérieux. Très sérieux parce qu'il a trouvé une certaine ambiance. D'abord une ambiance religieuse qui était à déplorer. À déplorer pourquoi ? Il y avait tous les courants religieux. Et les étrangers qui étaient là-bas, les Français, les Anglais, les Allemands et les Ottomans aussi. Oui. Les Ottomans, parce que c'était un territoire ottoman. Ottoman. L'Empire ottoman. Donc, les Ottomans, le Hanafiya, ou le Khrin, je ne sais quoi encore, bon, ça a été un mélange. L'Emir Abdelkader rentre, il met le haut là, c'est l'école malikite.
c'est l'école malikite. Il s'est imposé, il a assigné un peu les mœurs. Il a unifié les... Oui, il a assigné les mœurs, il a unifié les tendances religieuses. Le référent. Que, oui, le référent, oui. Parce qu'il s'est imposé par son charisme, je reviens toujours au charisme, et à sa force de caractère. Il s'est imposé et il a fait du très bon travail. Tant et si bien, laissez-moi vous raconter une histoire. Enfin, une histoire qui n'est pas une histoire, c'est une vérité. C'est une vérité. À côté de la mosquée des Omeyyades, Mejdid Ben Omeyya, oui. il y avait, en ce temps-là, il y avait 11 tavernes. 11 tavernes. Et bien sûr, ces 11 tavernes, c'était l'alcool, les spiritueux coulaient à flot, oui. Pendant qu'il y avait le muezzin. Les odeurs de je ne sais quoi qui sortaient de là-bas. Alors, il y a plusieurs richissimes Syriens qui ont été voir les chrétiens pour leur demander de leur vendre ces magasins, en disant que nous allons les transformer en magasins de... Enfin, en commerce, quoi. En commerce licite, on va leur changer de destination. Ces chrétiens n'ont pas voulu. Certains ont demandé des sommes très très fortes, exorbitantes. Voilà que l'émir arrive, il a connu le problème, il appelle les chrétiens, il leur parle le langage qu'il devait leur parler. Uqalhum, il leur a dit vos propositions en termes de prix sont mes propositions. Je vais vous payer tout cela. Il a payé à prix très fort. C'est 11 tavernes, et il en a fait un village du hadith nabawi. Alors, en arabe, je vais le dire en arabe, c'est mahom al-qariya al-ihda ashriya. Al-qariya al-ihda ashriya. Et où il y avait les 11 tavernes, et là, il a mis à la tête, le hadith, il a mis à la tête Cheikh Badreddin al-Hassani al-Jazairi, qui est un érudit algérien de grande, grande, grande renommée. Renommée dans tout le Moyen-Orient. Et donc, il est un peu de sa famille, parce que c'est un Hassani. Il est Abd Qadr, le nom de famille, Hassani. Donc Cheikh cette générosité qu'il avait, l'émir Abd Qadr, va s'afficher davantage, parce qu'il va financer. En dépit donc de ce projet de la maison du hadith, il va financer un certain nombre De mosquées, des écoles, les écoles, les mosquées, les zawiyas, il y a énormément de quartiers à Damas même qui appartiennent aux Algériens, beaucoup de biens, tant à Damas que dans d'autres régions du pays, et il a fait. Et il s'est occupé, bien sûr, de la politique. Il s'est occupé de la politique. Il a fait beaucoup de politique. On lui a... Après, on verra tout à l'heure que les Français ont proposé à l'émir Abd Kader d'être le roi. Le roi des pays du Levant. Il a décliné, l'émir Abd Kader, il a décliné. Pour ces raisons que nous allons développer tout à l'heure. Mais il n'a pas décliné le fait que lorsque les Syriens... du mouvement national lui ont demandé d'être à la tête de ce mouvement national. Il a dit oui, parce qu'il fallait combattre d'une autre manière. Et il a, et aux côtés de grandes personnalités du Moyen-Orient, ils ont mis ce grand comité des sages arabes qui a dirigé le mouvement national, dans lequel il y avait énormément d'Algériens. Parce que les Algériens qui étaient là-bas, pour que les gens le sachent, ceux qui nous écoutent, c'était pas uniquement des commerçants. Il y avait des commerçants, il y avait des agriculteurs, mais il y avait beaucoup de savants dans cette communauté algérienne. Dommage, le temps qui nous est imparti n'est pas suffisant
pour que l'on parle, pour que l'on parle de cette communauté. Oui, de ces savants. Oui. D'ailleurs, j'ai une émission à Radio Culture où je parle de cela. C'est très très important que nos jeunes sachent que leurs ancêtres, qui étaient là-bas, qui étaient quelque part, ont beaucoup travaillé pour le bel islam, je dis bien le bel islam. Pas l'islam des obscurantistes, le bel islam, le bel arabe, pas l'arabe qui nous ramène à la désuétude, mais l'arabe qui va vers la science. D'ailleurs, c'était l'émir Abdelkader qui chaque fois, il parlait de cela. Alors voilà. Ce qu'il a fait, monsieur Kamel Bouchama, oui. Donc l'émir Abdelkader qui était très proche des siens, oui. Mais aussi il était à l'écoute en permanence de l'autre, c'est-à-dire les chrétiens et les autres communautés. Oui, bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'il est venu, il a trouvé une situation assez rocambolesque, oui. au niveau de la Syrie, tant au niveau des musulmans qu'au niveau des chrétiens aussi. D'ailleurs, je vais déboucher sur cette histoire du massacre des chrétiens. Exactement. par les Druzes. Oui. Par les Druzes. Bon, maintenant, la question qui est posée est la suivante. Est-ce que c'est de la faute des musulmans, les Druzes? Est-ce la faute des chrétiens? On n'en sait rien, mais quand j'étais là-bas, j'allais dire moi, parce que le moi est toujours haïssable, mais quand j'étais là-bas, je n'ai pas fait uniquement, comme je le disais dans plusieurs de mes interventions, je n'ai pas fait uniquement des réceptions et le faste de la diplomatie, non. Moi j'ai passé mon temps à fouiner. J'ai passé mon temps à travailler, j'ai passé mon temps à chercher, à me réunir avec des gens, des anciens qui connaissaient l'histoire et qui me disaient beaucoup de choses. Alors voilà à quoi je suis arrivé. Et par le biais de la famille de l'émir, les anciens de la famille de l'émir qui m'a raconté cela, paraît-il que cette histoire de chrétien, je dirais autre chose, hein, oui. Pas par la suite, paraît-il que cette histoire de chrétien est venu par un certain machiavélisme de la France coloniale. Je dis bien la France coloniale. Alors, ils ont invité un curé maronite. Ils l'ont appelé et ils l'ont bien travaillé. Ils l'ont bien préparé pour aller faire uniquement de la provocation. Et c'était tous les vendredis, il se pointait devant la mosquée des Omeyyades et il commençait à insulter le prophète. Et il disait des choses invraisemblables sur le prophète, sur l'islam. Alors les croyants qui sortaient, alors voilà ce qu'on m'a raconté, les croyants qui sortaient de cette mosquée, alors ils l'ont ramassé. Ils l'ont malaxé et en fait, ils l'ont tué. Ils l'ont tué et c'était un avertissement. Paraît-il que ça a continué avec un autre. Et de là, ça a créé l'éclat, quoi. Ça a été le fusible, ça a été le détonateur qui a créé ce marasme entre les musulmans et les chrétiens à Damas et à Beyrouth. Alors voilà, j'arrive là, beaucoup de chrétiens massacrés, mais beaucoup de chrétiens aussi sauvés par l'émir Abdelkader. On dit 12 000, on dit 15 000. Alors les chiffres vacillent entre 12 000 et 15 000. En tout cas, l'essentiel, même s'il n'y avait que 1000, l'essentiel c'est que l'émir Abdelkader a fait son travail de musulman. Il a... il a sauvé ces chrétiens, il a sauvé des vies humaines, il a sauvé des vies humaines. De là, bien sûr, il y a eu une cascade de congratulations, une cascade de remerciements, une cascade de lettres d'hommage à l'émir, à ce travail gigantesque de l'émir. Monseigneur Pavi d'Alger,
lui envoie une lettre magnifique, remarquable d'ailleurs, que vous allez trouver dans ce livre, ce livre que je vous ai laissé, magnifique. Et l'émir Abdelkader répondait par ceci. J'ai fait cela. Ah, oui, parce que Mgr Pavie se demandait, comment se fait-il, on dit que vous êtes l'ennemi des chrétiens, comment se fait-il que vous avez sauvé les chrétiens? Il a dit tout simplement parce que j'ai appliqué le bel islam. Et parce que moi, je suis un bon musulman. J'ai fait ça parce que je suis musulman. Un point à la ligne. Alors d'autres pays lui ont envoyé des présents, des présents très importants, des Américains, une paire de pistolets en or, l'Inde, un sabre serti de diamants, de rubis, de quelque chose de fabuleux. D'autres évidemment, des médailles, d'autres que j'ai eu l'occasion de ramener à Alger, bien sûr. Enfin, ramener cela et d'autres objets de l'émir Abdelkader. On dira une phrase tout à l'heure. Tout à l'heure, justement. L'émir a l'épreuve donc, de l'exil, mais il n'a jamais renoncé, oublié son Algérie. Son pays. Oui. Je reviendrai après. J'ai dit que il y a cette provocation de cet ecclésiastique, soi-disant le maronite, mais il y a aussi l'autre fait. J'avais parlé du complot machiavélique de la France coloniale. Et la France coloniale, elle a joué le même jeu que le pape Urbain II en 1095, lors de la première croisade. Oui. Urbain II a décrété la croisade en 1095 en disant que, à travers le concile de Clermont. Le concile de Clermont. En disant que ces chrétiens sont persécutés, ces chrétiens sont oppressés par les musulmans à Jérusalem, il faut les libérer. Il faut libérer les chrétiens des mains des infidèles que nous étions. Nous étions des infidèles au sens du Urbain II. Alors les Français ont joué la même chose. Ils ont dit, bon, maintenant nous allons délivrer ces chrétiens, puisqu'il y a eu le massacre, même si l'émir Abdelkader a fait le maximum pour le libérer, protéger les libérer, il les a protégés dans ses demeures, parce qu'il avait deux châteaux. Le château de Dommar, qui est un très beau château, et l'autre, le château à côté de la mosquée des Omeyyades, en plein centre de Damas. Donc les Français se sont dit, nous allons maintenant protéger ces chrétiens qui sont là-bas. Et nous allons faire une expédition au pays du Levant. 1860, 76 bateaux de guerre mouillés en rade à Tripoli. Oui. Je dis bien 76 bateaux de guerre. Tripoli, c'est la ville syrienne à l'époque. Oui, la ville. Actuellement, la ville de Bilachem, oui, absolument. Voilà. Donc, l'émir Abdelkader rencontre le général de Beaufort, il s'appelle Napoléon de Beaufort. L'émir Abdelkader a bien connu ce général, qui était l'adjoint du duc d'Oman. Duc d'Oman, et qui a participé à la prise de l'Asmala à Alger. C'était l'aide de camp, c'était le bras droit du duc d'Oman. Alors il descend, il le rencontre. Et c'est la fameuse rencontre de Qobliyès. Un quartier à côté de Chtora, actuellement dans le territoire libanais, il se voit, il se rencontre. Alors il dit, l'émir Abdelkader l'a menacé. Il lui dit, écoutez, en Algérie, vous m'avez vaincu, parce que vous aviez un arsenal extraordinaire, alors que nous n'avons pas tous les moyens, vous alliez à l'extermination de mon peuple. Et ce que j'ai compris, donc j'ai arrêté la guerre. Mais maintenant, je suis à la tête d'une armée très importante.
aidée par les Syriens. Vous n'allez pas pouvoir rentrer dans ce pays parce que vous allez être massacré. Alors autant retourner chez vous, ne pas commettre cette bêtise de vouloir exploiter, de vouloir prendre ce pays, parce que nous sommes là. Et sinon je vais casser tous les traités que j'ai signés avec la France et je retournerai à mon pays pour vous combattre. Bon, c'est vrai que le général de Beaufort, ayant compris la menace de l'émir et la détermination de l'émir, parce qu'il savait que derrière lui, il y avait une armée très puissante. Il y avait les Syriens et il y avait des Algériens qui se préparaient. Dès lors que pendant les 5 ans, vous savez, là il y a une marge de 5 ans. Il rentre en décembre 1855, et là nous sommes en 1860. Donc 5 ans, pendant les 5 ans, il a travaillé. Il a crapahuté, il a formé son armée, d'ailleurs, ce que je n'ai pas dit, parce qu'il faut faire l'économie, oui. Vous savez, dans une émission comme celle-là, oui. On ne peut pas tout dire. Bien sûr. Alors, comment qu'il a défendu les chrétiens? C'est avec l'armée algérienne qui était là-bas. Des cavaliers, des fantassins, des trucs. Bon, il a dit, et il leur disait, tant que l'armée, tous mes hommes sont debout, vous ne prendrez pas ces chrétiens, parce que ce sont mes invités. Quand il les a gardés dans ces deux châteaux, le château de Domar et le château de l'Amara. Ouais. Je vous ai parlé du château qui est en bas à Damas. Alors donc, je dis en bas parce que le château de Domar est sur les hauteurs de Damas. Ouais. Voilà, c'est pour ça que c'est d'ailleurs une belle réalisation de l'émir. Et donc ils sont rentrés, ils sont repartis. Vous m'avez posé la question que l'émir avait toujours cette intention de revenir chez lui. Chez lui, oui. Mais bien sûr, il formait constamment cette armée qui devait rentrer. D'ailleurs, il y a un élément que je dois raconter. Oui. 1871, c'est à peu près 3 ans après. La fameuse insurrection de Cheikh al-Haddad et al-Muqrani, en réalité Cheikh al-Haddad, parce que c'était lui le chef de C'est lui de qui guerre. A fait la déclaration. C'est lui qui a fait la déclaration à Sadduq. En avril, à Sadduq. Voilà, 1871. Sadduq. Il y a quelque chose que les Algériens ne savent pas. Oui. Le fils de l'émir Abdelkader, qui s'appelle Mohyeddin, oui. Il l'a appelé comme son père, Mohyeddin. Oui. Alors, Mohyeddin Hada, il est rentré en Algérie, il a préparé son insurrection en 1870. Il l'avait préparé avec un autre révolutionnaire que tout le monde connaît, ou tout le monde a entendu parler, avec Nasser Ben Shohra. Oui. Nasser Ben Shohra, de Ben El Arwat, de la Gouate. Donc, il a préparé sa révolution. Et il est rentré le 3 janvier. Janvier 1871. Il est rentré par le biais de la Tripolitaine, rentré par Ouetzouf. Il monte, il arrive à Tébessa. Il fait son premier accrochage avec les Français à Sharia de Tébessa. Oui. Ensuite, il descend à Tébessa ville. Il fait son grand accrochage où il massacre les Français, l'armée française. Ensuite, il va jusqu'à Meskiana. C'est sur la route, ouais. Meskiana, où il fait une grande bataille contre les Français, et voilà que Napoléon intercède, et puis il appelle l'émir Abdelkader, il lui envoie un émissaire. Son père ne partageait pas cette fougue de son fils Mohyeddin, n'est-ce pas? Oui, vous avez bien fait de poser la question. Oui. Non, très bien fait, c'est Hassan. Parce que vous dites que son père ne partageait pas la fougue. Oui. Il partageait pas la fougue de son fils. Pourquoi? Pour la seule et unique raison. Parce qu'il ne voulait pas que son fils aille au suicide. Alors, quand il l'a appelé, il lui dit « Tu rentres, mais ne te fais pas prendre par les Français. » Parce que quand tu te fais prendre, il avait peur que lui, il dise plus qu'il n'en faut. Oui,
parce que l'imam traite de se préparer, je vous ai dit, il se préparait. Et alors, il voulait faire ça l'intimité, dans le silence, dans la stratégie, voilà. C'est une stratégie qu'il avait prise. Alors, il lui dit, moi, avec les troupes que j'avais, avec les tribus que j'avais, je n'ai pas pu combattre contre l'arsenal, le grand arsenal des Français. Comment toi, une petite insurrection comme celle-là, tu vas oser détrôner cette armée française qui est très puissante, qui est très grande. Laisse-nous nous préparer convenablement, tu rentres. Et ça, Yahya Bouaziz, docteur Yahya Bouaziz, oui, en parle aisément dans son livre, et il dit effectivement, parce que, pourquoi je vous dis, elle est doublement, ou différemment. Différemment. Le terme est mieux. Différemment apprécié, cette histoire. Ouais. D'aucuns, ceux qui vont très vite en besogne pour critiquer l'émir, bah, vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'émir, comme ils n'aiment pas Ben Badis, d'ailleurs. Ouais. Alors donc, qui critique l'émir, voilà une preuve de la traîtrise de l'émir. Hein, il a trahi son pays, il a baissé les armes, en 1947, et voilà maintenant, il demande à son fils de ne pas faire la guerre. C'est-à-dire que les gens ne voient pas la stratégie, les gens ne voient pas très loin. Alors lui, il a dit, et Bouaziz a expliqué cela. Oui. Alors lui, il a dit, il faut que l'on prenne nos dispositions, que l'on se prépare aisément. Et son fils n'a pas dit non, il a compris, et puis il est rentré. Mais son fils avait envoyé des lettres à toutes les mosquées en Algérie. Il a suivi l'insurrection de Cheikh Al-Haddad, de Al-Mokhrani, il les a suivis jusqu'à la D'ailleurs, fin. D'ailleurs, il y avait une bonne partie d'Algériens qui ont oui, été Oui, ils sont restés. Non, il y a des les Algériens qui sont restés avec Mahiddin. Ils sont restés. Oui. Ils sont restés. Ils sont mis à la disposition du Cheikh Al-Haddad, du Cheikh Al-Mokhrani. Non, ça n'a pas arrêté. D'ailleurs, vous me donnez l'occasion pour me dire que, pour que je puisse vous dire que ces Algériens qui vivaient là-bas en Syrie, ils ont toujours fait des délégations très importantes, bien armées, ils sont rentrés dans le pays et ils ont aidé l'insurrection de 1871. Oui. Comme d'ailleurs, par la suite, après, pendant la Révolution, oui, c'était des groupes, de grands groupes d'Algériens qui sont rentrés, qui sont joints au maquis qui était là en Algérie pendant la lutte de libération nationale. Donc cette idée de l'émir ne l'a jamais quitté. D'ailleurs, il disait à haute et intelligible voix, sa'arji'u, je vais la dire dans sa langue, oui, il disait sa'arji'u ila baladi hamilan ou mahmoulan, je retournerai dans mon pays brandissant le glaive de la guerre, ou le glaive, le sabre, le fusil, n'importe, hamilan silah ou mahmoulan, ou dans un cercueil. Cercueil. Donc, dans un cercueil. Donc le président Boumediene à l'époque n'avait fait qu'exaucer en quelque sorte le vœu de l'émir. Oui. De l'émir. Ça aussi, on va en parler à la fin. On va en parler, oui, à la fin, parce que c'est très très important. Tout ce qui entoure l'émir, oui, a été différemment apprécié. Je le disais tout à l'heure, je le redis. Certains disent Alaj Jabou, pourquoi il est là, oui. Pourquoi n'est-il pas resté avec son compagnon spirituel qui s'appelle Mohiddin Ben Arabi, qui était là-bas? C'est vrai, il était enterré à côté de Mohiddin Ben Arabi. Il était de son école. Lui-même, il était soufi. Donc la meilleure école, c'était celle de Sidi Boumdine Chouaib, le Qutb, le pôle, qui était le maître de Mohiddin Ben Arabi. Les gens ne le savent pas. Certains disent qu'il a été en classe chez lui, d'autres ils disent que Mohiddin Ben Arabi était l'élève spirituel de Sidi Boumdine, parce qu'ils étaient, ils ont vécu la même période. Et il ne faut pas l'oublier, ils sont de la même ville, ils sont de Murcie. La même ville, c'est des Andalous, les deux. Les deux, des Andalous. Donc, l'émir Abd Qader était l'élève spirituel de Mohiddin Ben Arabi. Alors, certains disent,
Pourquoi ne l'ont-ils pas laissé là-bas? Il fallait le laisser tranquillement là-bas. Pourquoi l'avoir dérangé et l'avoir amené ici? J'en parlerai tout à l'heure parce que c'est très important. Il y a quelque chose de véridique, quelque chose de moi je l'ai eu de la bouche d'un de ses petits-neveux qui est en quatrième position, après l'émir, quatrième position, qui est descendu lui-même dans la tombe quand ils ont exhumé l'émir Abdelkader, avec le mufti de Jumhuriya, mufti Jumhuriya, le mufti de la République de Syrie. Alors donc, je disais que à partir de là, quand il a défendu les chrétiens, les Français ont voulu rentrer pour défendre les chrétiens. L'émir s'interpose, il les chasse, ils partent. Et que font les chrétiens? Les chrétiens ont eu cette idée très perspicace, c'est d'appeler l'émir et de le nommer comme roi des Arabes, roi du pays des Levants. Du Levant. Oui. Alors, bien sûr, vous devinez que l'émir a été très subtil aussi. Très courtois, il a décliné avec beaucoup de talent, avec beaucoup de souplesse, parce que il se disait comment? Moi, être roi de ce pays, alors que mon pays est encore sous le joug colonialiste. Colonial, oui. Sous le joug colonial. Je ne peux pas accepter cela. Et que diraient les enfants de mon pays? Celui qui n'a pu être chef chez lui ne peut pas être chef chez les autres. Et donc il a trahi. Il a trahi, il est là-bas, il a accepté la vie de roi. Déjà que lui ne s'est jamais comporté, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est Hassan, il ne s'est jamais comporté comme émir, c'est-à-dire comme quelqu'un de la royauté. On l'appelait l'émir et on continuera ad vitam aeternam à l'appeler émir parce qu'il a été commandeur des croyants. A mené les croyants à la guerre. Alors l'émir Abdelkader ne s'est jamais pris pour un roi ou un fils de roi. Et donc comment allait-il accepter d'être le roi de Bilad Chien parce que les Français lui ont proposé cela? Oui, allez-y. On sent pas le temps passé, monsieur Bouchava, avec vous. Donc, il nous reste deux petites questions. Oui. La première, c'est sur justement le rapatriement des restes de l'émir, et puis des objets que vous avez personnellement œuvré pour les ramener en Algérie. Un sujet très important, c'est le canal de Suez. Le canal de Suez, d'aucuns se demandent, et le canal de Suez et l'émir Abdelkader. Que vient-il faire ce monsieur dans le canal de Suez? Alors, je dis une phrase seulement, s'il n'y avait pas l'émir Abdelkader, s'il n'y avait pas l'intervention de l'émir Abdelkader, et il a été persuadé, tous les chefs arabes, que ce canal de Suez serait une relation entre le sud et le nord, que ce canal de Suez serait une relation entre l'Orient et l'Occident, que ce canal de Suez serait une relation pour les spiritualités, différentes spiritualités, pour le et il était très bénéfique pour les pays arabes concernant le commerce et concernant également la science et la culture, l'échange de sciences et de culture. Nous sommes passés à côté d'un grand sujet que les gens parlent énormément, c'est la franc-maçonnerie de l'émir Abdelkader. Nous sommes passés sur ce sujet, je vais dire une phrase seulement, parce que nous n'avons pas le temps. Les gens se demandent, pourquoi l'émir Abdelkader a-t-il été franc-maçon? L'émir Abdelkader n'a pas été franc-maçon. L'émir Abdelkader n'a pas été franc-maçon. L'émir Abdelkader a été sollicité par la loge du Moyen-Orient, a été sollicité par d'autres loges également, après avoir sauvé les chrétiens. Et la franc-maçonnerie a vu en ce geste une opération de franc-maçonnerie.
C'est-à-dire qu'il n'y a que les francs-maçons qui puissent faire, qui puissent intervenir de cette manière dans le cadre de l'humanité. Il ne savait pas que l'émir Abdelkader a été le précurseur pratiquement de quoi ? De cette Ligue des droits de l'homme et du citoyen. Il a été précurseur de cette convention des prisonniers qui a été signée à Genève par son comportement avec les prisonniers. Et donc, quand il a reçu des correspondances, il a répondu, parce que c'est un homme de culture. Il voulait savoir où aller avec ces gens-là. Et pour lui, la franc-maçonnerie, c'était pratiquement comme une confrérie religieuse chez nous. Et pourquoi ne pas connaître ce qu'il y a dedans, ce qui bout dans la marmite de la franc-maçonnerie? C'est-à-dire que je vais être très schématique, mais quand il a su que ces gens-là ont voulu l'utiliser comme quoi? Comme un pont pour rentrer facilement au pays du Levant, lui en a fait une occasion pour que la franc-maçonnerie, pour lui, pour l'émir Abdelkader, soit un pan pour intervenir dans l'histoire, dans la colonisation de l'Algérie, parce que dans cette organisation des francs-maçons, il y avait que de grands responsables politiques à travers le monde. Et pourquoi ne pas les mettre à contribution pour qu'ils disent quelque chose, pour qu'ils disent des mots, pour qu'ils interviennent pour la décolonisation de l'Algérie. Alors quand il a su qu'ils ne veulent pas de cette proposition, il a dit la comédie nous comme l'Iadine, voilà, tout simplement. Mais il y a eu des correspondances. – Monsieur Boujama, vous parlez avec passion, ce sera la dernière question, de l'émir Abdelkader. Vous avez consacré un livre oui. à cette période, c'est-à-dire son séjour à Damas, l'émir Abdelkader et les siens, l'ultime étape au Levant. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans cette, en dépit de ce que vous venez de dire, évidemment. Vous savez, ce sera le dernier mot. Hein, oui, vous savez, c'est Hassan. Oui. Allez, ils peuvent nous donner 5 minutes encore, il n'y a pas de problème. Comment dirais-je? Non, tout vous plaît dans la vie, dans le comportement de l'émir Abdelkader. Ça, il a été un génie. Je dis bien, il a été un génie. Un génie. On démontre que ces objets, puisque vous m'avez parlé des objets, j'ai eu l'occasion, et l'honneur surtout, de rapporter à son pays, beaucoup d'effets de l'émir Abdelkader. C'était 3 camions qui sont descendus, on a vidé la soute d'un avion que j'ai ramené en 2002, pendant que j'étais en poste à Damas. Je l'ai ramené ici à Alger. Et alors les livres de l'émir Abdelkader, les encyclopédies, les effets de l'émir Abdelkader, certains objets très, 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 très importants, certains objets d'histoire. Vous savez, Al-Mawaqif, le fameux livre Al-Mawaqif, les haltes, on l'appelle comme ça en français, certaines lettres des correspondances entre les grands chefs de ce monde, le tapis de Chamil, parce que l'émir Abdelkader a intercédé auprès du tsar Nicolas pour libérer Chamil. Il a intercédé comment? En allant voir Napoléon et demander à Napoléon d'intercéder auprès du tsar pour Chamil. Ce qui a été fait, Chamil est libéré, il lui donne un tapis de prière, je ne vous dis pas, de la couleur tchétchène, avec beaucoup d'or, un bijou. Et il se trouve actuellement au musée de l'AMP à Maqam Shahid. Et puis toutes les médailles qu'il a reçues. Je vous dis, c'est 3 camions qu'on a fait sortir de. Il y a un objet particulier qui vous a marqué, ce sera la dernière question, M. Bouchama.
Oui, après, je dirais comment qu'on a déterré, exhumé l'imam Abdelkader et comment qu'il est revenu ici. Alors, je suis monté en tribune et puis j'ai parlé de cela. L'imam Abdelkader est revenu, messieurs, vous qui nous voyez ce soir à la télé, est revenu entier dans son pays, c'est-à-dire tout le squelette. Il n'a pas été détérioré. Et le mufti de la République, quand il est descendu avec son neveu, le neveu de l'émir, qui s'appelle Mohamed Al-Fatah Al-Hassan Al-Jazairi, que j'ai ramené avec moi de Damas, il est resté 5 ans ici, ensuite il est retourné, et ils sont descendus, il était jeune pendant cela, en 66, il descend l'Aqbor, dans la tombe, le mufti de Al-Jabhuriya, il s'est évanoui parce qu'il disait que c'était les signes de grands hommes, les signes de Aulia Allah Salihin, les grands spirituels, ou frappés de spiritualité. Et moi j'ai été par la suite, parce que c'était le même qui restait là-bas quand j'étais ambassadeur, j'ai été le voir. Je lui ai posé la question, il me dit « Oui, effectivement, mon fils, c'est moi, je suis descendu, et j'ai vu, et voilà. » Et donc l'émir est revenu entier. Le squelette de l'émir est là. Le squelette de l'émir est là, entier. Il ne manque aucune phalange. Hein? Donc pourquoi s'amuser à faire des déclarations comme ça. C'est pas comme ça. L'émir, c'est pas lui, des pierres qu'on a ramenées. Et puis non, l'émir est revenu entier chez lui à la maison. Et il est revenu. Mahmoulen, hein, il est revenu transporté dans un cercueil. Sa'arji'u ila baladi hamilan ou mahmoulan. Donc la destinée a voulu à ce qu'il revienne dans un cercueil. Voilà. Je tiens donc à vous remercier, Monsieur Kamal Bouchama, d'avoir répondu à toutes les questions et d'avoir raconté avec passion cette étape importante dans l'histoire de l'émir Abdelkader. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. À très bientôt.